4-3-2.
la musique, c'est de la programmation en fréquence. 440 Hz. La musique, c'est de la fréquence. Quelle est la fréquence que vous absorbez? Parce que nous sommes en quelque sorte des antennes. La triste réalité est que la fréquence à laquelle nous jouons notre musique aujourd'hui est de 440 Hz. D'où cela vient-il? Avant, c'était en 417 Hz. La fréquence 440 Hz est arrivée avec l'Église catholique romaine. Ils ont supprimé les fréquences, ils ont perdu en quelque sorte 152 de leurs chants grégoriens, y compris l'hymne à Saint-Jean-Baptiste, que nous avons maintenant récupéré. C'est cet hymne en particulier qui a déclenché l'enquête du docteur Puleo, à la recherche des fréquences de vibration avec lesquelles la musique est jouée. Cet hymne était connu comme le plus édifiant de tous les temps, spirituellement parlant. L'hymne à Saint-Jean-Baptiste a été joué en 6 notes, 6 notes, 6 fréquences. Et maintenant, la norme est donc 440 Hz. C'est comme ça que ça a été manipulé. Dans quel but? Pour désactiver les 95% de votre cerveau, en particulier le cerveau droit qui fait fonctionner l'esprit du cœur, pour la communication spirituelle. Il y a quelques décennies, un homme a calculé les fréquences de différents états émotionnels. C'était il y a longtemps. Donc chaque pensée, chaque réponse émotionnelle est une fréquence. Elle génère une fréquence et elle-même est une fréquence. La haine est une fréquence et c'est différent de l'amour. Par exemple, quand vous êtes dans une pièce remplie d'agressivité, de conflits et de haine, ça se ressent. On dit alors que l'ambiance est à couper au couteau. C'est parce que les fréquences de la haine et du conflit ont été tellement générées qu'elles ont changé le champ magnétique électrique de la pièce. Nous intégrons les messages juste en dessous du seuil de perception afin qu'ils puissent aller directement dans le subconscient. Ces fréquences peuvent être utilisées au sein de toute une communauté, sans que personne ne le sache. Et cela commence à avoir un effet, et à développer de la rage, de la colère. Et les gens ne réalisent peut-être pas pourquoi ils ressentent cela. Mais ils commencent à le ressentir, ce qui a des effets sur leur comportement. Par exemple, un homme est attaqué par la police ou quelqu'un est arrêté pour un crime qu'il n'a pas commis, et là, il y a le déclencheur. Cette rage produite par la fréquence a mis le feu aux poudres. On assiste à des manifestations de masse, et les gens font des choses qu'ils ne feraient pas normalement. Donc le grand chef d'orchestre de l'Orchestre Universel chante des chansons d'amour au rythme 5-8, élevant tout simultanément. Et nous sommes la seule espèce à être désaccordée et à accepter le son statique. Les militaires américains l'ont admis. Ils ont une technologie qui utilise les fréquences de l'ennemi et qui, en gros, brise l'esprit de l'ennemi. Alors ils abandonnent et posent leurs armes. C'est à cette technologie que nous avons affaire.